Et salut à tous, c'est Expermineur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Et donc désolé si Sound muted. Microphone vous venez muted. D'entendre ce bruit, c'est normal. Donc alors aujourd'hui on se retrouve pour que je vous fasse un petit truc astuce. Donc on va apprendre à retourner les mobs, à faire des moutons multicolores, tout ça. Donc c'est très sympa, on va prendre donc, ça. Je sais pas, un cheval. Donc, un cheval, ici, un mouton, un creeper. On a trois étiquettes. Donc on va renommer la première Jeb. Tiré du 8. Voilà. On va renommer la deuxième Dino Bone. Donc Dino Bone. Comme ça. Et la troisième, vous allez la renommer Grum. Voilà. Donc alors Jeb, ça s'applique qu'aux moutons, ça les rend multicolores comme vous voyez, enfin ils changent de couleur plutôt. Il faut savoir que si vous les tondez, ça ne vous donnera que la couleur que du mouton de base. Donc ça veut dire, si vous tondez un mouton blanc, il vous donnera de la laine blanche, voilà. Donc Grum, ça ne s'écrit pas comme ça. Non mais si c'est vrai, ça s'écrit pas comme ça, j'ai fait une petite faute, désolé. Grum s'écrit qu'un G majuscule. Ça permet pareil de retourner les mobs. Pas ainsi que pour Diner Bone, ça permet de retourner les mobs. Je signale que si on renomme autre chose qu'un mouton de Jeb, ça ne marchera pas. Donc il faut aussi savoir que par la même occasion, les magma cubes ou les slimes. Non, il faut un gros magma cube. Voilà. Un gros magma cube. Je vais le renommer Diner Bone. Il est à l'envers. Ok. Maintenant, si je tue et que. Vous pouvez voir que même ces petits, enfin je veux dire c'est les ceux qui sont sortis quand il est mort, sont aussi à l'envers parce que quand vous renommez un mob qui se divise, il donne son nom à ses petits, on va dire. Comme si que moi j'avais un enfant puis que je l'appelais comme par mon vrai nom. Enfin c'est un peu bizarre. Et ça marche avec les slimes. Donc voilà.